Bonjour tout le monde, c'est Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller. Pour la première fois sur la chaîne du Caribou Canadien, le jeu Windbound live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Et tu l'as, mon Bendy? Des herbes. J'imagine qu'avec de l'herbe, on peut faire des cordes. Les pierres s'entraînent en buse, extrêmement polyvalent.
Une mystérieuse rame riche décorée, bien qu'ancienne, elle est en parfait état. Elle vibre parfois dans vos mains, comme si quelque chose habitait. Bon, t'avais raison. Faut des crêpes. Un bateau. Ah, je pouvais faire ça sur le bateau, je savais pas. La corde. Fruits comestibles à consommer de préférence au moment de leur cueillette, à manger et récupérer des petites quantités d'endurance. Ouais, c'est vraiment des petites portions. Hein.
C'est quoi ça? Sont gros, sont forts, font peur, font peur! Mais c'est quoi notre force, nous autres, les boys? Ça sera pas entre les deux oreilles! Mental toughness! La dureté du mental! Tiens, en plein milieu d'une franc, hein? Moins le fun, ça? Hey, Mick, comment ça va? Peut travailler ce matériau utile, oui, j'avoue. Tranquille, merci. Ça fait de bon ce week-end.
Moi, rien de spécial. Comme d'habitude. Rien. Le tourbillon s'élargit. La chasseuse piège sa proie. Un poème mystérieux se dégage de cette magnifique coquille, une relique obscure, une époque révolue. Ça, c'est l'île que j'arrive. Okay. T'as fini de jouer pour la journée? Qu'est-ce que t'écoutes là?
Parce que ben là. Pourquoi ça a disparu? Faut pas frapper le corail, ça brise les bateaux. Des plumes. Deux c'est légère, ces plumes sont parfaites pour fendre l'air. Appuyez sur B juste avant d'un coup ne vous touche pour parer l'attaque. Faites attention, toutes les attaques ne peuvent pas être parées. Les dieux possèdent un océan à l'intérieur d'eux-mêmes, un endroit sacré lié à notre monde profond au-delà. Mais tout le monde pouvait y aller à condition d'y être invité et de connaître le chemin. J'en ai de la viande crue. Il est où mon bateau? Je pense que des feuilles de palmier, ça se ramasse. Et voilà, des feuilles larges et robustes, idéales pour le tissage. Qu'est-ce que j'ai besoin? Ah, pour le sac à dos, c'est des feuilles de palmier. Pas un sac à dos, mais une petite boîte, là. Il manque deux feuilles de palmier. Trois feuilles en fait. C'est un jeu de survie, mais d'aventure aussi à la fois.
Est-ce qu'il y a d'autres branches de palmiers ici? Il n'y en a pas assez. Il en aurait fallu 3. De plus. Oh, c'est... Il y en a 2. 3, 5. On a besoin de 5. Bon. Bon. Un sac simple avec 7 espaces confectionnés avec des feuilles de palmier tissé, rien de bien sophistiqué. Vous pouvez uniquement être équipé d'un sac à la fois. C'est le deuxième qu'on actionne. Il devrait en avoir 3 logiquement. Les esprits coquines de la mer nous ont donné la vie, nos cœurs battent en harmonie. Exactement, 2 sur 3. Ouch! Même c'était pas haut pour toi, je guess que oui. Ok, il me regarde. Oh fuck! Où est mon bateau? Je sais plus où est le bateau maintenant. C'est là-bas. La viande devrait être là-bas aussi. Non, je vais la manger tout de suite, ma viande. Et voilà. Faut une pelle pour creuser.
Une fois un marteau. Marteau, il faut du bois puis de la crête. Vérifier quoi par hasard, je suis curieux. Bon, on va se battre. En train de dormir en plus. Salut, IQ Production. Ou plutôt Q Production ou IQ Production. Comment tu vas? Ah!
Oh, je l'ai eu. Oh, là, il bouge. Et voilà. Non! C'est là-bas. Oh non. Oh, je peux pas croire, j'ai manqué ça. Ben ouais. Une pierre, un shot. Oui. Maintenant, on peut sûrement construire un marteau. Il manque un morceau de bois. Qu'est-ce qu'il faut? Bon, Et voilà mon premier marteau. C'est celui de marteau utilisé pour casser des choses. Il faut une hache.
Il n'y a plus de feu, il faut faire un feu. Allumer le feu. Une portion généreuse de viande. Ah. Il faut un feu pour faire ça. Ah ouais. Ok, bon, on va essayer quoi? Ok. Grille de séchage. Ok. Et là. Et voilà, on met 3 morceaux à sécher. Ça fait des volées petites pierres. C'est un feu qui ne dure pas toute la nuit, mais il vous permet de moins de faire cuire votre repas sur le bateau. Morceau de bois, mâchoire, griffon, une mâchoire. Et du cuir. Tiens toi, décolle. Hup!
Oh, je peux pas croire. C'était tout pour l'aventure du jeu Windbound live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!